Live Hotel. Nouveau lieu de vie bordelais, face à la plage du lac, à quelques arrêts de tram ou coups de pédale du centre-ville. Qu'est-ce que c'est réellement? Un hôtel? Un restaurant? Un bar? Ok, mais soyons plus précis. Live Hotel, c'est un établissement design et cocooning centré sur l'échange et le partage, proposant des événements destinés aux hôtes, mais aussi aux professionnels et habitants du quartier, le tout animé par une équipe chaleureuse, passionnée et bienveillante. Alors, prêt à vivre la live expérience? Bienvenue dans votre communauté. Enjoy! I'm crawling in my skin and
Live Hotel. Nouveau lieu de vie bordelais, face à la plage du lac, à quelques arrêts de tram ou coups de pédale du centre-ville. Qu'est-ce que c'est réellement ? Un hôtel ? Un restaurant ? Un bar ? Ok, mais soyons plus précis. Live Hotel, c'est un établissement design et cocooning centré sur l'échange et le partage, proposant des événements destinés aux hôtes, mais aussi aux professionnels et habitants du quartier, le tout animé par une équipe chaleureuse, passionnée et bienveillante. Alors, prêt à vivre la live expérience ? Bienvenue dans votre communauté. Enjoy. Et mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au Palais des Sports de Bordeaux. On se retrouve avant de débuter le match, avant de débuter la rencontre avec Ahmed Doumbia. Ahmed Doumbia, pour ceux qui ne connaissent pas, est bordelais et qui est acteur aussi de la vie sportive à Bordeaux. Voilà, salut Ahmed et merci salut. D'être là. Merci à toi. Ahmed, tout d'abord, on a vu que tu n'étais pas en tenue. Est-ce que tu peux juste nous informer rapidement sur ton état de santé, sur tes éventuels retours, etc. Alors, rien de grave, j'ai juste une petite déchirure au mollet gauche. C'est survenu contre Rennes mardi dernier. Donc, j'ai pu jouer quand même contre Lorient, mais vu que là, en fait, on est au complet et tout le monde est en forme, on a décidé de me mettre au repos là pour les deux prochains matchs. Ok. On espère que le repos va être efficace et que tu vas pouvoir revenir performer comme tu le fais cette saison. Tu es de retour à Bordeaux. Comme je disais, tu es acteur de la vie sportive à Bordeaux. Tout le monde te connaît avec l'organisation du Bang on Your Chest, un tournoi qui te tient à cœur.
Qu'est-ce que ça fait de revenir à Bordeaux déjà, même si c'est pas dans les conditions habituelles? Et comment tu sens pour la suite, justement, pour ton tournoi, pour ce que tu fais ici dans la ville? Alors déjà, c'est vrai que c'est particulier tout le temps quand je reviens à Bordeaux de jouer contre les JSA, parce que c'est vrai que c'est ici que j'ai commencé ma carrière. Donc par respect pour les JSA, j'ai toujours envie de me donner à fond et de gagner contre eux. Ouais, c'est vrai que bah là, cette année, on les a joués à l'aller, on a gagné. Je sais que les JSA, ils ont été un peu diminués par les blessures. Mais là, ça commence à revenir petit à petit. Malgré tout ça, il y a quand même des jeunes joueurs qui vraiment font du beau boulot et qui n'ont pas froid aux yeux, qui jouent. Donc ça fait toujours plaisir. Moi qui suis un ancien joueur des JSA et que j'ai commencé comme ça, c'est vrai que la politique des JSA, ça a souvent été de donner la chance aussi aux jeunes joueurs. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, voilà, je reste toujours motivé à 100% de gagner contre les JSA. Ensuite, par rapport au tournoi que j'organise l'été, c'est toujours dans la même philosophie, dans la même ligne directrice de donner la chance un peu à tout le monde de pouvoir jouer et rencontrer des joueurs pros. Donc, c'est vrai que bah, là, aujourd'hui, c'est toujours dans la continuité de ce que fait les JSA également. C'est un peu complémentaire. Ils proposent du basket un peu toute l'année. Et là, aujourd'hui, moi, j'essaie de proposer du basket, justement, l'été, un basket de haut niveau qui donne la chance et l'opportunité un peu à tout le monde de se montrer. Voilà un peu. OK. Et on espère déjà que ça va pouvoir revenir et qu'on va pouvoir retrouver ce tournoi cet été. Pour rappel, voilà, le Bang on Your Chest qui avait lieu au Palais des Sports il y a 2 ans et sur les quais l'année d'avant. Cette saison, vous êtes leader. Toi, tu performes dans cette équipe. La première question, c'est quels sont les ingrédients du bon déroulement de cette saison et toi, de ta bonne saison individuellement? Qu'est-ce qui fait que voilà, les deux vont de pair? Bah, je pense qu'en fait, nous, on reste sur une dynamique de l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, on avait fini fort, surtout sur la deuxième partie de saison. On avait fait 11 victoires d'affilée. Et en fait, le club avait réussi à construire sur des bonnes bases et avait un projet sur le long terme. Aujourd'hui, quand on regarde un peu beaucoup de clubs français qui justement sont importants sur le basketball, dans le basketball, et ben en fait c'est des clubs qui misent sur le long terme, sur des joueurs français qui dominent et qui donnent la chance aux jeunes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on est encore dans cette dynamique là et puis ben automatiquement on a des pièces du puzzle qui se connaissent déjà, qui jouent déjà ensemble depuis quelques années. Et qui ont surtout la volonté de jouer ensemble et de jouer pour un seul même but, c'est de monter. Donc voilà, après, je pense que le club aussi a voulu garder des pièces maîtresses, dont moi. Et c'est pour ça, j'ai encore le même rôle que j'avais l'année dernière. Et je sais que mes coéquipiers me font confiance, le club me fait confiance. Donc, obligatoirement, je joue libéré. Okay. Je joue libéré. En tout cas, merci pour la disponibilité. De rien. On te souhaite bonne chance pour la suite avec Tours, avec ton équipe nationale. Merci. Et on se dit à très bientôt. Ça roule, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Ahmed. Ciao. Et avant de reprendre, on va se laisser un petit moment de pub le temps que Ahmed part avant la présentation des joueurs et la présentation des équipes avec mon acolyte Saphir. On se retrouve dans quelques instants. Thank you.
Live Hotel. Nouveau lieu de vie bordelais, face à la plage du lac, à quelques arrêts de tram ou coups de pédale du centre-ville. Qu'est-ce que c'est réellement? Un hôtel? Un restaurant? Un bar? Ok, mais soyons plus précis. Live Hotel, c'est un établissement design et cocooning centré sur l'échange et le partage, proposant des événements destinés aux hôtes, mais aussi aux professionnels et habitants du quartier, le tout animé par une équipe chaleureuse, passionnée et bienveillante. Alors, prêt à vivre la live expérience? Bienvenue dans votre communauté. Enjoy. Pendant que les Bordelais s'installent et pendant qu'on fait la présentation, voilà, on se retrouve, messieurs, dames, avec Saphir. On va faire un petit peu un bilan un retour d'abord du match des JSA, les Bordelais. On l'a dit, les jeunes ont été très bons, à l'image d'un Kevin Mbaitoubam qui finit à 9 points avec 8 dévales, un Antoine Léonard très complet. Et qui n'est pas là ce soir, ouais, pour des raisons de santé, il est malade, c'est pas très très grave, il devrait être de retour pour le prochain match. Belle victoire quand même des Bordelais, puisque toujours dans un effectif réduit, on sait que Jeff Dalma fait son retour. Voilà, ça fait un joueur expérimenté en plus, et pour aller chercher cette victoire peut-être, aller chercher Tours. Quels selon toi les éléments qui vont permettre aux Bordelais d'aller chercher Tours? Alors, il va falloir qu'ils soient vraiment concentrés sur leur solide défense, déjà. Ça, c'est un point important que les Bordelais savent réaliser, peu importe les joueurs qu'il y aura sur le terrain. Il va falloir être malin aussi, tactiquement, pour pouvoir mettre en place des éléments défensifs qui puissent les faire déjouer. Peut-être du tout terrain, les sortir de leur zone de confort. Et évidemment, la fabuleuse adresse qu'on a l'habitude maintenant de la part des JSA. Ah oui, à l'image de Quentin Hank ou de Thibault Lanzième. Exactement, qui va vouloir réitérer ce soir. On va parler quand même de Tours qui est premier actuellement avec 12 victoires pour seulement 5 défaites. On a eu Ahmed Dumbia tout à l'heure qui disait que c'était... ils ont un effectif qui n'a pas vraiment changé, puisqu'on retrouve encore des Alexis d'Argentan, Fabien Théba. La stabilité chez Tours. La stabilité, ils ont rajouté des joueurs d'expérience, des joueurs qui connaissent le haut de tableau. Raph Temgwa, qui a fait les beaux jours de Boulogne, qui a joué à Bordeaux. Marius Chambre, Jérémy Bichard. Qui faisait les beaux jours d'Angers l'année dernière avant que la saison s'arrête. Et Angers, on le rappelle, était premier avec seulement 4 défaites. Voilà, beaucoup d'éléments chez l'UTBM prendre le large très rapidement dès les premières minutes. Maintenant, ça va être au Bordelais d'être concentré et appliqué défensivement. Sachant qu'en plus, ce soir, un des joueurs importants de Tours n'est pas là, Ahmed Dumbia. Et oui. C'est vrai qu'il va falloir se servir de ça aussi pour pouvoir réaliser quelque chose ce soir. Ça va être très dur, très difficile pour le match de ce soir. Ils ont les éléments du côté de Tours pour vraiment faire un déplacement aussi. Au niveau des match-up, il y aura sûrement le duel entre Jibam et le jeune Thomas Van Moussem. On connaît l'expérience de Jean-Baptiste Adolphe Michel, passé par Paris Levallois, qui a gagné des titres en Pro A et en Pro B, qui a fait les beaux jours de Boulogne. Voilà, il est toujours présent. Comment, selon toi, Thomas va pouvoir le fatiguer, va pouvoir profiter de son avantage? Alors là, vraiment,
Surtout lorsqu'on regarde la carrure de Tours. À tous les postes, c'est vraiment complet. Donc il va falloir vraiment faire preuve de solidité ce soir. Ouais, preuve de solidité. On va faire le point sur les 2-5. Le 5 pour Anjou est composé de Raph Temgwa, de Fabien Théba, d'Alexis d'Argentan, je n'ai pas son numéro de Crayon Junior et à la main de Marius Chambre. Et du côté des Bordelais, le 5 sera composé de Quentin Hank à la main. Jeff Dalma au poste 2 qui fait son retour dans le 5 de départ. Eh oui, on n'a pas dit effectivement le retour de Jeff Dalma dans l'effectif. Et Kevin Mbayutuba notre ami Thibault Lonzième vont se partager le poste d'ailier ou d'ailier fort. Et on aura Thomas Van Hossem au poste 5. Et c'est parti. Et ballon en bordelais. Et tout de suite, Quentin Hank met en place son équipe. On a vu Quentin Hank très très fort dans la gestion de son équipe la semaine dernière. Et voilà, regardez, il trouve Thibault Lonzième ouvert à 3 points. C'est court. Kevin Baytouba et Thomas Van Hossem qui sont gênés dans la relance. Raph Temgwa ouvert à 3 points. Ouf. Le rebond de Crayon Junior. Et derrière, bien, rebond de Thibault Lonzième. On s'en sort bien, Sauce. J'ai vu comment il monte très fort, très haut. Et Quentin Hank. Il chute à 3 points. Ouais. Donc vraiment, défensivement. Et on a vu un Quentin Hank qui, dans un registre tout autre que le scoring, qui apporte de la stabilité, de la gestion au poste 2, de la communication, qui a mis en confiance les jeunes. Et cette jolie passe de Crayon Junior pour Alexis d'Argentan. Et deux partout au score. Geoffrey Dalma. Et on va essayer de jouer le mismatch. Et bien servi là. Et faute de Fabien Théba sur. Très bien exploité. Et le mismatch est bien exploité. Je pense que on a vu beaucoup d'équipes de N1 changer. Les Bordelais le font. Là, Tours qui n'est pas forcément très grand en taille. Alexis d'Argentan, on rappelle qu'il joue ailier fort. Là, il est dans le rôle de poste 5. Il est quand même moins grand que Thomas Van Hossem qui est à 2-8. Ils sont moins grands. Et c'est Geoffrey Dalma qui va prendre. On va donner beaucoup de temps. Et il va les péter. Ouh là. Et le rebond de Kevin Mbayutuba, dommage. Et Kevin Mbayutuba qui fait parler son jeu. Et le ballon n'a pas touché le cercle, donc il n'y aura pas. Il pensait qu'il allait siffler une faute, effectivement, lors de sa montée au dunk. Il aurait dû aller assurer quand même, aller chercher le contact. Après, je pense qu'il va dans la hauteur pour montrer à l'arbitre qu'il est vraiment haut et que l'autre ait réduit la distance. D'ailleurs, Kevin Mbayutuba a pris le rebond off, mais ça n'a pas été payé. Ballon perdu. Et les Tourangeaux, on va s'arrêter. Crayon Junior qui joue. Et Fabien Théba, on sait qu'il peut se monter très à droite. Et Jeff Dalma qui va jouer son vis-à-vis, qui va jouer l'avantage de taille, qui va profiter là sur Marius Chambre. Et oui, on exploite tous les mismatchs. Alexis d'Argentan. Et la faute de Thibault Lonzième. Et elle sera sur le côté. Et oui, je pense que Thibault Lonzième ne connaît pas forcément quand même Alexis d'Argentan. Alexis d'Argentan, c'est un joueur qui est très fort au drive, très athlétique. Qui peut mettre des tirs, mais je ne pense pas qu'il va les prendre en première intention. Et Crayon Junior. Venir doubler. Oh. Et faute sifflée à Quentin Hank. Il y aura deux lancers francs. Ah non, sifflé à Thibault Lonzième. Non, Quentin Hank. Deux lancers francs pour Crayon Junior. On trouve quand même un début de match très agressif des deux côtés. Oui. Vraiment avec énormément d'intensité. On prend les tirs ouverts tout de suite. On veut essayer de provoquer tout de suite. On n'a pas forcément des attaques ultra longues. Le score n'est que de 4-3 depuis seulement 2 minutes.
Va falloir gérer ce tempo, justement. Ouais. Va falloir. La possession bordelais. Attends, toujours à la main. Voilà, prise à 2 sur son temps. Et Kevin Baitoubam qui ressort pour. Il prend son propre rebond, Thibault Lourdien. 2 points. Et marché au départ sifflé Alexis d'Argentan sur les départs directs. Ouais, très souvent. Ça, aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui est beaucoup sifflé. On va pas beaucoup laisser, donc il faut faire attention sur ça. Pour l'instant, les Bordelais commencent toujours bien. Et Kevin Baitoubam, on verra 3 points. C'est pas dedans. Quand je vois les prises d'initiative du jeune Kevin Baitoubam, on voit qu'il s'est, ça y est, il s'est installé dans cet effectif. Il apporte quelque chose. Il fait partie de. Il dégage maintenant, effectivement. Il une certaine sérénité. Il fait partie de ses. Il fait partie des joueurs de National 1. Ah là, il se fait avoir. Par Fabien Atéba. Et 6 partout au score. Et Quentin. L'agressivité. Oui, non, hein. Et faute. Faute sifflée. 2 lancers francs pour Thomas Van Oussem. C'était un peu mal embarqué, hein. Parce qu'il y avait 2 joueurs sur lui, il y avait peut-être une passe à faire. Ouais, Kevin Baitoubam, c'est lui, c'était son joueur qui était venu aider. Il aurait pu proposer une solution, se présenter. Bon, il s'en sort bien avec 2 lancers. Effectivement, dès le début de l'action, bon, j'étais un peu dubitatif pour la suite de cette action. Ouais. Et finalement, il s'en sort vraiment très, très, très bien. Les premiers lancers ratés pour. Deuxième lancer raté. Pour l'instant, Thomas Van Oussem est dans un début de match, on va dire, mi-figue, mi-raisin. Bon, au moins, il commence à libérer cette frustration un peu qu'on sentait dans les derniers matchs. Ah, il chambre à 3 points. Et lui, il ne va pas, il va pas falloir le laisser tirer. On sait ce qu'il est capable de faire. Jeff Dalma. Et score de 9-6 pour Tour. Kevin Baitoubam. Pareil, les 2 points. Et c'est très bien joué, ça, de la part de Kevin. Il est très fort sur ses attrapés joués, là, sur les drives. Ligne de fond. On l'avait vu la semaine dernière, le dunk. Sur le drive, ligne de fond encore. Dans le jeu en transition, c'est vraiment agréable. Allez, il va falloir faire l'effort défensif et pas se faire avoir. Doublé à l'intérieur, la rotation, il va falloir communiquer. Et Raptengo ouvert tout seul à 3 points, c'est court, ça sort bien. Je suis surpris de voir tout ce manque de communication sur les rotations. On n'a pas eu l'habitude de voir ça au dernier. Oh, 3 points. Il tire à 3 points de Jeff Dalma. Ça y est, c'est le retour du capitaine bordelais. Ah, il avait faim du ballon. Et bien vu le mismatch et faute de Jeff Dalma. Bonne lecture sur le mismatch. De Marius Chambre et de Mike Crayon Jr. Il y aura 2 lancers francs. Ah non, la touche sera au fond, pardon. Les Bordelais sont quand même déjà à 3 fautes d'équipe. Il va falloir faire attention alors qu'il y a 5 minutes dans ce carton. La bonne défense. La bonne défense de Kevin Baitoubam. Et on sait que Fabien Atéba, il est capable de prendre ses tirs en fin de position. Il va le jouer. Mi-distance. Ah oui. Et oui. Très fort. Fabien Atéba, pour ceux qui ne connaissent pas, on le surnomme l'archer. Ah, c'est très, très fort. C'était plutôt un joueur slasher. Aujourd'hui, il a développé encore pour son tir. Il était capable de mettre des tirs. C'est un joueur qui a évolué à Antibes, à Yerpoulon, pardon. Et qui a joué en Pro B, passé par Rouen aussi. Oh là 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 là! Quel piqué de Thibault Lanzième! Le drive de Thibault Lanzième! Et s'il y en a un qui est en forme cette saison, c'est vraiment lui! Thibault Lanzième, lui qui revient de blessure. Il n'avait pas été gardé par Angers. Il est en pleine confiance. Allez. Alexis d'Argentan. Alexis d'Argentan est capable de mettre des tirs, je l'ai dit! C'est un joueur slasher, mais il est capable de mettre les tirs. Donc, il ne faut pas lui laisser beaucoup de temps pour shooter quand même. Et changement. Ah, le. Une douleur au pouce, j'ai l'impression. Ouais, peut-être dans la réception de balle, le meneur Torangeau, Marie Chambre.
On va céder sa place à Jérémy Bichat. Voilà, au niveau de la Maine, côté de Tours, c'est pas vraiment, c'est pas Jérémy Bichat est un backup de luxe, clairement. Et Jeff Dalma, le spin move, c'est pas payé. Avec ses derniers temps à la relance. Et Bichat, le drive. Il va trouver Crayon, c'est pas payé. Et le rebond. Rebond de Crayon encore. On arrête plus dur au rebond. Allez, allez, il faut prendre ce rebond. Rebond, très bien. Donne-lui. Et c'est bien joué, ça. Et la bonne passe. La bonne passe, dommage. De Kevin Baitoubam pour Thomas Bonoussem. Il aurait pu le prendre. Il aurait pu le prendre. C'était la petite sucrerie en plus. Et la bonne passe de Mike Réaugignan. Mike Junior fait un sacré match dans la distribution, dans les choix au poste, très intelligent, très malin, très fort dans les lectures. Et il y aura faute, faute demain. On les connaît ces fautes. Surtout qu'aujourd'hui, quand un Hank est un joueur assez embêtant à gêner, assez difficile à gêner, balle en main. Sur ces changements de direction. Direction, changement de rythme. Ça. Pour l'instant, pas un seul changement. Il reste 9 secondes de possession. Quentin Hank. Oh là là, c'est fort ça, ce genre de tir. Qu'est-ce que c'est fort. Quelle évolution pour Quentin Hank en 3 ans. Ah, oui. Lui qui est passé d'un poste de backup shooter de luxe à... Et Fabien, t'es balarché. Eh oui. Un meneur de jeu complet, combo, capable de se créer son propre tir, de jouer pour les autres et en plus de scorer. Il n'y a pas d'Almad. Kevin Baitoubam. Il s'en sort bien. Oui. Deux points. Deux points pour le jeune bordelais. Ah, et Fabien Théba s'est fait mal en glissant peut-être. Bon, on espère que c'est pas trop grave. Il reste par terre au sol. Ah, peut-être qu'il a pris un coup, il a été sonné. Et il y aura changement du côté des Bordelais. C'est le jeune Madiba Owona qui vient de faire son entrée. Et qui prend la place de Jeff Dalma. Kevin Baitouman qui s'en sort bien là sur cette attaque. Il est allé chercher ce panier dans un trou de souris. Oui. En déséquilibre en arrière. Et il y aura changement du côté de Tours. Fabien Théba sort et va laisser sa place à Romain Huger. Romain Huger, lui qui évolue du côté de La Rochelle. Joueur longiligne, athlétique. Il y aura peut-être un petit match-up. Il a peut-être 2-3 ans de plus que Kevin Baitoubam. Il y aura un vrai match-up. Ça va être intéressant de voir ça. Allez, Jérémy Bichat. Vraiment rapide. Hein. Il ne faut pas le laisser shooter, petit. 3 points. Il ne va pas falloir le regarder toute la soirée. Hein. Sinon, il va enfiler. Oui, c'est clair. Thomas Van Oussem. Et il faut le jouer. Thomas Van Oussem qui est plus rapide que Jibam, il peut le jouer. Oh, il décide de prendre le tir. Oh, il faut aller chercher des paniers points près du cercle, Thomas. Pour être... chercher des fautes. Et Kevin Baitoubam qui défend sur Romain Huger. Voilà le mismatch. Crayon Junior. Oh, et un joli passe de Crayon Junior. Ça, c'est bien fait de la part de Tours, ça. Ça, c'est bien fait de la part de Tours. Voilà pourquoi ils sont une équipe de haut de tableau. Là, ils viennent de nous faire une démonstration de basket. Collectivement, et la bonne lecture d'abord de Mike Crayon Junior. Et voilà, qui oblige les Bordelais à prendre temps mort. Le score est de 25 à 17. Et Tours, tout doucement, dans ce premier carton, et à plus 8, 25 points marqués, c'est beaucoup. Pour... Il reste encore 1 minute 22, effectivement, ça peut être vraiment coûteux pour la fin du match. Mais surtout que
Et surtout que on n'a pas senti qu'ils avaient un réel ascendant sur les Bordelais. Là, évidemment, cette dernière action le montre. Mais quelques choix par-ci par-là, des deuxièmes chances aussi. Il y a eu pas mal de deuxièmes chances. Beaucoup de deuxièmes chances. Ouais. Ça peut devenir très compliqué. Il va falloir que les Bordelais et nous donnent déjà sur cette possession et qu'ils fassent peut-être un stop là. Qui montre un autre visage défensivement sur la fin de ce premier quart-temps. C'est pour ça que Joachim a pris le temps mort, je pense. Et bon, il va changer quelques petites choses pour les remettre sur les bons rails. Et puis, il faut surtout retrouver un Thomas Van Oussem près du cercle. Si plus, quand il sera en confiance près du cercle, il va être en confiance pour mettre les tirs qu'il a l'habitude de mettre. Reprise du jeu. Les positions pour Angers. C'est au jeu. Personne n'a. Et oui, Romain Huger qui a la lourde tâche de défendre sur Quentin Hanck, de le gêner. Ça, c'est bien joué. C'est bien joué. La bonne passe là pour ce boulangier. Allez, il faut faire un stop. Bonne lecture et le bon écran de Thomas Van Oussem qui a obligé l'aide à rentrer, qui a permis de libérer Thibault Lanzier, mais le bon choix de Quentin Hanck. Allez, il va falloir le contenir, Mike Junior, parce qu'en plus il a la création. Et ballon perdu. Bonne défense. Et la contre-attaque. Marché. Et Marché sifflé. Le jeune Madiba Ouna qui a eu peur. Aurait pu être le un petit peu peur et... d'aller chercher le cercle, mais c'est pas grave, c'est le métier qui rentre. Et il faut défendre. Et vous avez vu la cour. Je pense que si les Bordelais veulent prendre de l'avance et poser des problèmes à Tours, c'est faire courir Jibam. Obligé. Thomas doit courir. Dès qu'il y a un ballon gagné, il doit courir. Il doit être devant son panier avant Jibam. Oh là 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 là. Et quelle adresse de Tours. Plus 28. Dernière possession. Dix secondes. Et le pic. Oh là là. Et la bonne passe. Et la bonne lecture encore. Très bonne lecture. Hey. Ouh, Madiba qui s'était battu pour le rebond et c'est pas payé. Et 20-28. Hey, 28 points, c'est beaucoup trop dans un premier carton. Dans un carton tout court. Il va falloir que le Bordelais limite la casse. Derrière Tour encaisse 20 points. On est dans un match d'attaque. On le voit par le rythme, il n'y a pas une énorme intensité, les Bordelais doivent augmenter au niveau de l'intensité pour pouvoir courir, pour pouvoir chercher des contre-attaques, comme ils l'ont fait là. Obligé Jibam à jouer des ballons, à les perdre et à être en retard. Leur passe difficile aussi, c'est ça. Là, leur passe circulait vraiment beaucoup trop facilement. Exactement, rendre les passes difficiles, couper toutes les interventions de jeu sans ballon, et puis surtout... Et puis surtout, limiter le rebond, mais surtout limiter le rebond. Il y a eu beaucoup trop de deuxième chance pour les Tourangeaux. Tour pour l'instant est dans son match. Hein. Il déroule collectivement, ils sont en place. Ils ne forcent rien. Quasiment tout le monde a marqué. Il y a seulement Fabien Théba qui a 7 points. Sinon, les autres, la marque se partage entre 6 et. Raph Temgoua, Alexis d'Argentan, 7 points. Fabien Théba, 7 points. Raph Temgoua, 3 points. Marius Chambre, 3 points. Et Romain Huger, 3 points. Créel Junior, qui n'a que 2 points, mais qui est à la création de tout. Il va falloir que les Bordelais limitent la casse défensivement. Et reprise du jeu dans 20 secondes. Joachim Dutheil va devoir s'adapter défensivement. Ouais. C'est là aussi où on voit que l'apport de d'Antoine Léonard se fait sentir défensivement. Parce qu'il aurait eu pour mission d'embêter hein, Jérémy Bichard, de se dérouler, défendre sur. Et Raph Temgoua, le drive. Romain Huger.
Et Romain G, la bonne lecture. On va servir. Et les mismatch. D'ailleurs, ils sont trop petits. Bonne lecture encore de tour. Les Bordelais qui se mettent en place. Sous l'impuissance de compte à 1. Madibawana. Oui, il ne faut pas perdre cette balle. Il reste 5 secondes. Madibawana. Et le drive. Et le rebond, Thomas Van Nussen qui s'en sort de main. Jeff Dalma à 3 points. Oui. Et on rappelle, Jeff Dalma, pendant un moment, lorsqu'il était à La Rochelle, était le meilleur pourcentage à 3 points de ce championnat. C'est une discipline dans laquelle il excelle. Allez, il va falloir faire un stop. Un stop. Allez, un stop sur cette action. Mais c'est pas possible. Ils font un pas en avant et deux pas en arrière à chaque fois, les Bordelais. Et deux points proches, bam. Il y aura un lancer supplémentaire. Il faut que Madiba rentre plutôt dans les rotations. Il faut que les Bordelais communiquent. Et avec de l'agressivité, mais vraiment au début de l'action et non lorsqu'il va tirer et s'apprête à... À marquer deux points. Tout à fait. Et c'est donc une concession pour nous, aussi, parce qu'on sait que Jibam, même s'il n'est plus autant actif qu'avant, s'il reçoit la balle dans cet espace, c'est compliqué de l'arrêter. C'est son jardin, hein. Allez, il faut trouver du jeu intérieur. Allez, il faut que tu le drives. Et ballon gagné. Ballon gagné. Et Romain G, le dunk. Non, il préfère assurer. Il préfère assurer. Et tour, tout doucement. Mais... Faute sur Jeffrey Dalmat. Ouais, tout un doucement, ouais. Hanche. Faute de corps, je pense. Tout doucement, mais sûrement, qui prend 12 points d'avance. Ne pas rentrer dans la panique. Ne pas rentrer dans. Oh là là, dans la création de tir. Et encore un tir de pied. Et. Thibault Longième au rebond. Thomas Van Nussem. Thomas Van Nussem qui veut des ballons, mais c'est près du cercle qu'il va falloir qu'il prenne les ballons. Près du cercle qu'il les trouve, les ballons. Et crayonne encore à la création. Et c'est joliment fait, ça. Tour déroule. Oh, aïe. Et cette action monte à quel point. Les Bordelais ne sont pas concentrés. Et Madiba qui sort, qui va céder sa place à Willan. On se rappelle que la semaine dernière, c'est Willan qui avait pas fait une très bonne entrée. Et là, c'est Madiba qui a fait des erreurs défensives, notamment sur les rotations. Et on voit que Quentin est ciblé. On veut le fatiguer. On sait qu'il joue meneur, donc on va défendre très haut sur lui. Qui peut te shooter à tout moment, à tout endroit. Ah, il y a le switch. Allez, les deux points près du cercle. Et Thibault Longième qui était à droit pour l'instant. Et encore, Quentin 1 pour Thibault Longième. Thibault Longième permet aux Bordelais de rester à 3 possessions. Il faut faire un stop. Allez, il faut tenir, il faut faire. Et le dunk. Eh oui, je parlais de l'âge de Jbam, mais ça, il le fait encore. Il est toujours en chuté, quoi. 37-26. Okay. Allez, il va falloir trouver un panier près du cercle. Pour l'instant, on a trouvé des tirs extérieurs, des tirs à mi-distance. On n'a pas trouvé de panier près du cercle. Il va falloir contrôler le tempo offensivement. Aller au bout des systèmes. On l'a vu au dernier match, lorsqu'ils prenaient le temps, qu'ils allaient au bout des systèmes, ils trouvaient des paniers faciles, des solutions évidentes. Et on va jouer ultra small ball du côté des Bordelais, avec Kevin Baitoubam qui va jouer poste 4, voire même poste 5. Et faute de Fabien Théba qui est en surpression là, sur Jeff Dalma. Kevin Baitoubam et Thomas Smallwood, ils se connaissent. Parce que tous les deux, non seulement sont bordelais, mais ils évoluent à l'académie de basketball de Kemet, où ils s'entraînent ensemble avec Vincent Mbassi, avec des joueurs comme Josh Mbala, qui évolue en NCAA, ou Ivan Wedraogo, etc. Et Jeff Dalma. Jeff Dalma, ce soir aussi, il rend une vraie partition.
Et les Bordelais sont toujours à 9 points. Les Bordelais, malgré tout, sont toujours à 9 points. Vous avez manqué, ça fait plaisir de le revoir sur le parcours. Thomas Smallwood. Et le bon mot. Oh, la faute de Jeffrey Damal. Tu parlais tout à l'heure d'empêcher ses mouvements, de contrôler ses mouvements. Et voilà. Là, Jeff Damal doit bumper cette entrée, ne doit pas chercher la balle au dernier moment. Et il reste 6 minutes de temps de jeu. Cette touche fond, on la connaît très bien du côté de Bordeaux. Et possession pour l'heure de Bordelais. Et Willem qui va jouer meneur et qui va permettre un peu à Quentin Hanck de jouer poste 2. Ça va permettre à Quentin Hanck surtout de jouer sans la balle. Il se cherche, il se regarde. Il ne sait pas trop quoi faire avec la balle. Allez, il faut tirer. Voilà. Oh, là, il faut pas trop quoi faire avec la balle. Le problème, c'est que les jeunes essaient de trouver les joueurs expérimentés. Et en fait, ils devraient prendre des initiatives. Ils devraient jouer. Là, Kevin avait l'espace de jouer. Il doit jouer le 1 contre 1. Regardez le cercle. Regardez son adversaire droit dans les yeux et jouer. Comme au dernier match, cela dit. Et faute sur Willian Arabetian qui bump. Oh, l'arbitre est sévère. Parce que là, pour le coup, le garçon fait l'effort. Il y a un avantage de taille. Il bump une entrée. Et on lui siffle faute. Oh, et Romain Levé. Et défensivement, pour l'instant, c'est très très difficile pour les Bordelais. Et quant à Hank, et la faute. Si vous avez les mains qui traînent, vous allez vous faire sanctionner. Avec Quentin Hanck surtout. Oh. Ouh là 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 c'est quelque chose. Petit cours de salsa signé Jeff Delma. Oh, et la réponse d'Alexis d'Argentan. Et tant mort demandé par le club bordel. À chaque fois que les Bordelais font un pas en avant derrière défensivement, ils font un pas en arrière. La barre symbolique de 10 points. À chaque fois qu'ils repassent en dessous. Ils reviennent sous les 8 points et derrière, ils se font sanctionner. Ce début de deuxième carton va sur le même. Prend le même chemin que le premier carton. Déjà 15 points. 13 points encaissés. Il reste 5 minutes. Ça fait beaucoup. Il va falloir que les Bordelais limitent la casse à chaque possession pour Marc. Ce qui me rassure, c'est surtout que pour l'instant, je ne vois pas, je ne reconnais pas les JSA défensivement. Donc, s'ils se reprennent à ce niveau-là, je pense que... Et ils sont qu'à 10 points parce qu'ils sont pas dans leur... C'est exactement ça. Défensivement, ils sont pas dans leur dans ce qu'ils ont l'habitude de faire. Alors, nous allons revoir le 3 points de... De Jeffrey Dalmat. Ils étaient tous concentrés, là on le voit sur Quentin Hanck. On aime ça. Allez, reprise du jeu. Il va falloir que les Bordelais ont 5 minutes pour hausser le ton des défensivement. Ils ont déjà 3 fautes d'équipe. Mais il va falloir faire quelque chose. Il va falloir être plus dur. Du côté des GSA, nous avons Thibaut Londième à 10 points. Jeffrey Dalmat à 13 points. Et du côté de Tours, à 4 points. Et Quentin à 4 points. Et du côté de Tours, on a Bichard, Huger, Ateba, D'Argentan et Thomas Smallwood. Allez. Et il faut prendre le tir, Jeff. T'en as mis 3 déjà. Et Willian Arabetian, on verra 3 points. Et c'est dedans! C'est dedans! Ah oui, il est capable de tirer, Willian Arabetian.
Les premiers points du jeune. Allez, ça va le mettre en confiance. Et défensivement, il faut monter d'un cran. Les Bordelais sont en moins 7. Voilà, allez, les Bordelais. Voilà. Marché. Et marché de Thomas Smallwood. Thomas Smallwood qui est habitué aux jeux américains. On le rappelle, c'est un joueur qui a évolué en NCAA, qui est arrivé après au Portel, qui a joué en pro. Et là, qui vient prendre surtout des grosses responsabilités à Tours. Et dans un niveau où il peut dominer. Jeff Dalma. Et c'est pas payé, c'est dommage. On sent que les Bordelais là, on sent que les Bordelais sont en train d'en monter défensivement. Oh là 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 là, ils s'en sortent bien. Ah oui. On s'en sort bien sur ce repli là du côté de Bordeaux. Allez, allez, encore. Il faut défendre. Et Fabien Théba. Oh là 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 là. C'est pour ça qu'on l'appelle l'archer. Oh là 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 là. La trajectoire de la balle, vraiment. Et pourtant, il était loin. Et on sent la confiance de Willian Arabetian quand même dans sa façon de jouer. Et le bon jeu sans ballon. Et encore. Marché ? Marché a sifflé à Thibault Lonzième. Allez. Les Bordelais étaient revenus à 7 points. Ils viennent d'encaisser un 3 points. On voit encore l'arbitre qui s'entretient avec. Le coach de DGSA, machin du thé. Concernant la décision. Ouais. Et c'est Raph Tengwa qui va prendre la main. Marius Chambre aussi a fait son retour sur le terrain. On repart quasiment avec le même 5 de départ, sauf mis à part Thomas Smallwood. Ah oui, on va resservir. Et il ne faut pas laisser Arteba shooter, sinon ça va être money toute la soirée. Et le rebond off de Thomas Smallwood. Les Bordelais n'y sont pas. Contrôler les rebonds, contrôler les deuxièmes chances. Ouais, ça risque d'être long si Tours peut marquer aussi facilement. Allez, Kevin. Joue, Kevin. Il te laisse un mètre, faut prendre le tir. Oh, c'est dur ça comme tir. Il aurait dû prendre le petit tir à mi-distance. Ah oui. Oh là là. Est-ce que concrètement là il y a faute? Parce qu'il n'a pas vraiment dépassé l'épaule, il est encore dans le cadre, même s'il réduit la distance. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a faute là sur ça? Et les Bordelais sont de la pénalité. Il n'y avait pas vraiment une attitude défensive, on dirait. Aussi. Je pense que c'est ça qui est sanctionné, ouais, peut-être. Et Tours, c'est trop facile pour Tours. C'est trop facile pour Tours et ça risque d'être compliqué pour Bordeaux. Sur une seconde, deux secondes dans les rotations de retard. Et ils sont, à 2 minutes, ils étaient à moins 7. À 2 minutes, ils étaient à moins 7. Ils ont fait un pas en avant et 3 pas en arrière. Quant à Hank. Allez, faut le prendre celui-là. Et le rebond off de Willian Arabetian qui fait. Et qui décide de prendre l'initiative. Ouh. Jouer 5 secondes. Il faut petits, tirer, il faut tirer, il faut tirer, il faut tirer. Il faut tirer. Et faute. Ils s'en sortent bien. Ils vont récupérer 14 secondes. Et Kevin Mbaye Touba. Ça commence à virer à la passe à 10 offensivement. Il manque vraiment énormément d'agressivité, balle en main. Des responsabilités à prendre. Et pas toujours les mêmes. Non, c'est trop le manque d'adresse. Mais c'est pour ça qu'il faut retrouver des paniers à l'intérieur. Peut-être servir Thomas Van Oussem à l'intérieur. Et il y a Willian qui est ouvert. Et ça, c'est fort, ça, de la part de Quentin. Et rebond d'Alexis d'Argenton. On sait qu'il est très fort dans ce registre. Marius Chambre. Et regardez, Tours n'a même pas besoin d'annoncer de système pour jouer. Allez, jusqu'au bout. Et la faute. Et il y aura deux lancers francs. Première faute d'Alexis d'Argentan du côté de Tours. Il reste 1 minute 38. Bordelais, les deux équipes sont dans la pénalité. Les deux équipes ont 4 fautes d'équipe. C'est Thibault Lonzième qui tient la baraque avec Quentin Hock. Cependant, ils n'ont pas de répondant défensivement.
le visage défensif qu'ils ont montré, qu'ils ont montré depuis la reprise, depuis la reprise des matchs, n'est pas le même. 48-35, plus 13. Et pourtant, ils sont quand même à, ils sont à moins 12. Il y a une 38. Allez, il faut obliger pour apprendre à jouer des possessions longues et des possessions difficiles. Et Thomas Mouloud et Raftengwa ouvert à 3 points. Et lui, il va pas refuser le tir, il va mettre dedans. Et ils n'ont pas à mettre Doumbia. Oh là là. Il n'y a pas eu une possession depuis le début de ce quart-temps où on n'a pas marqué. Quant à Hank, c'est dur ça comme tir. C'est dur. Thibault Lanzième. Et là, cette fois, quant à Hank dans un fauteuil, c'est dedans. Et ça permet encore au Bordelais de rester. Mais derrière, regardez la mise en place défensive. Allez, il faut être dur, il faut pas subir ce genre de contact. La réponse. Ah, il est dur. Le rebond off, tu le disais, les deuxièmes chances. Oui, les trois se battent pour la balle. Comment peut-il siffler une faute? C'est très très dur ça. Et Jeff Dalma qui écope de sa troisième faute personnelle. Là. Et il y aura deux lancers francs. Il y aura deux lancers francs pour Raph Lemgua. Premier lancer franc marqué pour l'international camerounais. Pour qui déroule sur ce premier carton. Pourtant, les Bordelais sont en dessous des 15 points. Pour s'installe, petit à petit, carton après carton. 40 secondes à jouer. Et là, c'est la jeune garde qui est sur le terrain. Madiba qui a pris la place de... Et quant à Hank. Et quant à Hank, qui maintient encore les Bordelais à flot. Regardez, les Bordelais sont à moins 11. Alors que défensivement, ils n'ont pas fait un début de match flamboyant. Allez, il va falloir les tenir. Il va falloir les tenir. Regardez, et Ateba ouvert. Oh là 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 là, et pluie de 3 points. Du coup, il pleut ce soir sur Bordeaux. Et Willan Rabetian, et c'est pas payé. Fin du premier quart, fin de la première mi-temps, pardon, et fin de ce deuxième quart-temps. 28 points encaissés dans le premier quart-temps. 28 points encaissés dans le deuxième quart-temps. Ça va être compliqué à cette allure-là pour les Bordelais. Plus 14. Et pourtant. Il va falloir vraiment se rectifier défensivement. Là, moi, franchement, c'est pas pour toi, mais je ne les reconnais pas défensivement. Quand on regarde en attaque, ils trouvent des solutions. Quoique on a vu quelques possessions approximatives, mais de manière générale, une possession sur deux, ils arrivent à scorer. Le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune possession dans ce quart-temps où Bordeaux a pu défendre. Où Bordeaux n'a pas encaissé de panier. Où Bordeaux a obligé Tour à se passer la balle longtemps et prendre un tir difficile. Où Bordeaux était à l'heure sur les rotations défensives. Exactement, où Bordeaux était à l'heure sur rotations défensives, dans la communication. Et surtout, ils ont limité les deuxièmes chances. Voilà, avant de partir avant la mi-temps, on vous rappelle le concours VVF. Le challenge VVF, ouais. On vous rappelle, il vous suffit de regarder le match, trouver le logo. Si vous voyez le logo concours VVF, vous prenez une capture d'écran, une photo de l'écran avec le match et le logo du concours. Vous partagez la story sur Instagram, vous identifiez les comptes VVF, Village Vacances Français, et JSA BMB à la fin du match et lors des interviews. Il sera tiré au sort. Le nom d'un des. Sera tiré au sort. Sera tiré au sort. On se retrouve tout à l'heure dans quelques instants. Yes. On va faire un point, pardon, oui, juste avant, sur les stats. Sur les stats. Au scoring, on a Thibault Lanzième à 12 points. Thibault Lanzième, qui est un vrai acteur de cette première mi-temps en attaque, qui fait le boulot, qui essaie de faire le boulot défensivement et qui prend les rebonds. Voilà, et qui essaie d'apporter son expérience, mais et qui ce n'est pas forcément son jeu, qui a moins de répondants défensivement.
Très belle adresse à longue distance. Par contre, très adroit, toujours malin, toujours très intelligent. Derrière, quand t'as un qui est à 10 points, et sur des flotteurs, très fort dans la gestion, on l'a trouvé sur des passes d'ess, notamment pour Thibault Lonzième, ou même pour Willan, ou pour Jeff. Et on a un Jeff Dalma à 13 points, mais malgré tout à 3 fautes. Je pense que c'est le manque de rythme pour Jeff qui fait qu'il ne peut pas mettre de dureté défensive. Maintenant, il va falloir que... Les jeunes ont été intéressants. Willan a marqué 3 points. Derrière, il y a eu 4 points de Kevin Mbaitoubam. Il va falloir que défensivement, ils osent plus. Qu'ils prennent des risques. Qu'ils se mouillent physiquement. Oh, oui, oui. On se retrouve dans quelques instants. Après une courte page de pub. Après une page de publicité. Live Hotel. Nouveau lieu de vie bordelais face à la plage du lac, à quelques arrêts de tram ou coups de pédale du centre-ville. Qu'est-ce que c'est réellement? Un hôtel? Un restaurant? Un bar? Ok, mais soyons plus précis. Live Hotel, c'est un établissement design et cocooning centré sur l'échange et le partage, proposant des événements destinés aux hôtes, mais aussi aux professionnels et habitants du quartier, le tout animé par une équipe chaleureuse, passionnée et bienveillante. Alors, prêt à vivre la live expérience? Bienvenue dans votre communauté. Enjoy. We'll be right back.
Live Hotel. Nouveau lieu de vie bordelais, face à la plage du lac, à quelques arrêts de tram ou coup de pédale du centre-ville. Qu'est-ce que c'est réellement? Un hôtel? Un restaurant? Un bar? Ok, mais soyons plus précis. Live Hotel, c'est un établissement design et cocooning centré sur l'échange et le partage, proposant des événements destinés aux hôtes, mais aussi aux professionnels et habitants du quartier, le tout animé par une équipe chaleureuse, passionnée et bienveillante. Alors, prêt à vivre la live expérience? Bienvenue dans votre communauté. Enjoy. On se retrouve, le jeu va reprendre d'ici une minute. Un petit point statistique, un peu plus poussé. On a vu le scoring des joueurs. Mais voilà, du côté de Tours, on a Romain Léger qui est déjà à 10 points avec 11 déval. Suivi par Alexis Ardalantan avec 11 points. Pour, 11 points avec 5 rebonds. 5 rebonds, 4 fautes provoquées.
14 des balles. On a derrière un Michael Crane Jr. qui se moque à 4 points, mais qui a 10 des balles avec 5 passes, 5 rebonds. On sait que c'est le genre de joueur qui est capable de finir sur des bases de triple-double. Voilà, tour c'est assez compliqué du côté de Tour. 8 points et 10 déval pour Aftem Gua avec 3 rebonds et une passe d'ess. 13 points pour Fabien Anteba, 10 déval avec 2 passes décisives. Voilà, 3 points Marius Chambre, 5 déval. 76 déval collectifs face à 39 déval collectifs pour les GSA. Du côté des Bordelais, on a seulement Thibault Landiem qui a 15 déval, qui a 12 points, 4 rebonds, 3 passes. Et quant à Hank, il y a 11 déval, 10 points, 2 passes def. Ah, ils n'ont pas comptabilisé la passe def pour def. Une interception. Reprise du troisième carton. Les Bordelais ont besoin de défendre. Les Bordelais ont besoin de défendre. Reprise du jeu. Je sens qu'ils vont nous montrer un autre visage. Ah, déjà en attaque. Et Thibault Landiem qui continue son festival, qui continue. Allez, il faut montrer un autre visage défensivement, Kevin. Il faut être plus dur, il ne faut rien laisser de facile. Quand on joue une équipe de haut tableau, il faut leur montrer faut les obliger à montrer qu'ils sont vraiment une équipe de haut tableau. Les mettre dans la difficulté. Les mettre dans la difficulté. Le manque de communication défensive. Et la bonne lecture de Crayon. Il faut shooter. Et faute offensive sifflée à Thomas Van Oussem sur la pause d'écran. Et oui, on rappelle les règles sur la pause d'écran. Il faut poser l'écran sur les appuis simultanés, dérouler et surtout ne pas contacter et avancer et empêcher le joueur de se déplacer. Il a le droit de contourner l'écran, mais on n'a pas le droit de bouger pour pas qu'il contourne l'écran. Voilà. Derrière, une bonne lecture, bonne rotation encore. Et Bordeaux s'en sort bien et rebond Thomas Van Oussem. Allez, il va falloir trouver Van Oussem près dans la peinture. Il faut prendre le tir là pour avoir au moins les deux lancers francs. Et faut-il faire Aftem Gua. Plus 14. Allez. Allez, il faut une coupe. Oh la tête d'Alexis d'Argentan. Jérémy Richard. Et Fabien Anteba qui continue son festival à 3 points. Et là, je ne vois pas. Et comme je dis, ça fait 3 attaques, 3 paniers marqués pour tout. Et sur un fauteuil. Et Willan, le petit poteur. Derrière, c'est Tour qui est à la relance. Et le dunk. Et le spectacle du côté de Tour. Voilà, et Tour qui est en train de prendre un large fauteuil qui vient de passer à plus 19. On aurait voulu voir les Bordelais avec. On peut voir les Bordelais avec un autre visage. Il reste quand même un carton, il faut changer de visage. Il faut se révolter. Plus 19 maintenant, ils n'ont plus rien joué, il faut se révolter. À l'image de Kevin Baitouman. Et c'est dommage, c'est pas payé. Il faut se révolter défensivement surtout. Pas baisser la tête, il n'y a plus rien à perdre. Il faut vraiment. Et là, regardez comment Tour déroule. Regardez ça encore. Ça court, tous les pas courir. Allez. Thomas Van Oussem est toujours trop loin du cercle. Voilà, c'est sur ça qu'on a besoin de trouver. Oh là 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 là, le get back d'Alexis d'Argenton. Et les deux points. Et temps mort sifflé par Kojo Hachinduté. Et oui, c'était sûr. Ce match débute par un 9-2. 9-2. En 3 minutes de jeu. C'est pas possible.
Il va falloir lâcher les chevaux là. Maintenant, il n'y a plus le temps. Non, il va vraiment falloir parler, arrêter les backdoors à l'opposé, arrêter les toujours un joueur tout seul. C'est vraiment la seule semaine. Et c'est en ce sens-là qu'Antoine Léonard aurait été essentiel, qu'un Alex Bialaré à la création aura apporté quelque chose. Dans l'agressivité balle en main. Il y a deux choses qu'il faut rectifier. C'est retrouver le joueur intérieur près du cercle. Et l'autre chose, la communication défensive. Communiquer un maximum. Quitte à ce qu'ils... Bon, ils sont déjà dans un large fauteuil, ils sont déjà en confiance sur des tirs extérieurs. Mais voilà, s'ils doivent marquer à chaque fois, ce sera que sur des tirs extérieurs, par exemple. Ça, ils auraient dû le faire dès le début. Le problème, c'est qu'ils ont laissé... Ils ont laissé Tours s'installer et maintenant, le moment où ils vont être agressifs, c'est trop tard. Ce qui est leur habitude dans les autres matchs, on a pu le voir. Oui. Et puis après, on voit aussi que Tours est une équipe de haut niveau. Regardez, le 5 installé est un 5 d'équipe qui joue le haut de tableau. Et tous ces joueurs-là, ils ont joué en Pro B. Ils ont évolué au niveau au-dessus. Voilà. Allez Thomas, on nous sème. Oui, il s'en sort bien sur la claquette de lance. On a vu dans la dernière action, 4 joueurs de Tour étaient en net défense à l'opposé de la balle. Oui. Et Fabien Tebac Oh là. Et il continue. Quelle soirée pour Fabien Tebac. Et déjà à 21 points, peut-être 21 points, il n'a pas mis de tir à 2 points, si, il a mis un tir à mi-distance. Quant à Hank. Et la réponse. Un stop. Et surtout, une fois plus. Fabien Thébain est encore tout seul. Oh là là. Tour déroule. Tour est une équipe de haut tableau et il le démontre. Une fois de plus, si. C'est vraiment très fort. Très fort. Offensivement, défensivement. Voilà, tout est fluide. Non, c'est fluide. Allez, la perte de balle de Madiba là. Et le dunk. Il y a tout ce soir. Ah oui. Entrée, plat, dessert. Là, vraiment. C'est la régalade. Philippe Etchebest serait content ce soir. Patank. Ouais, quand on la révolte en attaque, mais c'est défensivement qu'on veut les voir révolter. Exactement ça, regardez. Il n'y a pas de repli. Et derrière, deux lancers francs. Même pas 10 secondes après avoir marqué un panier. On ne peut pas se permettre de replier en baissant la tête. C'est pas possible. À moins 20, on ne peut plus se permettre. Après, voilà, il vous passe une équipe de haut de tableau. On le sait, on sait qu'ils ont été capables de montrer des choses à des équipes, on va dire, de leur niveau. Mais on aurait voulu quand même, on veut voir un autre visage. Il reste 15 minutes à jouer, on veut voir un autre visage. On veut que Bordeaux puisse revienne quand même sous la barre des 15 points. Petit à petit, montrer un autre visage. C'est pas possible de laisser pour dérouler de cette manière. Même avec les jeunes. Et les jeunes ont montré qu'ils étaient capables de jouer. Et marcher de Thomas Van Ossel. Ah oui, il change de pied de pivot lorsqu'il fait son départ en dribble. Et Raph Temgwa va sortir et laisser sa place à Romain Huger. Au score, il reste 5 minutes dans ce troisième quart-temps. Les Bordelais n'ont que deux fautes d'équipe et Tours a une faute d'équipe. Regardez. Bonne prise à deux. Allez, il faut rentrer plutôt dans les rotations. Si on décide de trapper à l'intérieur, il faut rentrer plutôt dans les rotations. Allez, dur. Allez, Madiba. Allez, il faut être dur.
Et si Jérémy Bichard s'y met aussi. Ça va être compliqué. Il est tout seul. Il faut monter comment mettre une main, faire semblant d'eux. Ce match me fait passer aux longues soirées. Vous voyez les longues soirées de pluie où vous êtes chez vous devant votre fenêtre. Avec les qui pleut, des trombes. Et bah c'est ça que Tour nous a fait vivre ce soir. Allez. Oh là là. Voilà. Allez, un peu de jeu à l'intérieur. Redonne-lui. Allez. Très bien, Thomas. Voilà. Voilà de l'agressivité, balle en main. Et ça, c'est ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Se mettre en confiance. Le retour du troisième carton là, de la mi-temps était très très compliqué. Le 9-2. Ça fait très mal au dos. Et Tour déroule, hein. Tour est en confiance. Tour prend le temps de réaliser. Ouais, bonne défense. Le premier stop de ce troisième quart-temps. Et deux points pour Madiba, qui avait bien couru. Allez, encore un stop. Allez. Plus dur en défense, plus près, plus haut, plus fort. Allez, il faut montrer un autre visage. On sait que Tour, c'est une équipe de haut de tableau. Mais il faut montrer. Et Crayon, toujours à la création. Rotation. Et Romain Hugé à 3 points. Oh là 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 là. Combien de tirs à 3 points pour et le banc de Tour. En feu de toi. Ça me rappelle une chanson. Il pleut, bergère. Allez, il faut servir Jeff Dalma. Et quand t'as en couvert, aïe, ça semble. C'est dommage, c'était bien. Allez, il faut monter défensivement. Je me mets à la place de Joachim Duté quand je vois que je peux me rendre. Oui, il va falloir profiter de ça. C'est peut-être profiter de ça aussi pour jouer vite. Bon, après, Jbam, dans la peinture, sur jeu placé, c'est quand même compliqué. Oh là là, le cross de Jérémy Bissard. Oh. Madiba, il faut pas s'oublier défensivement de la sorte, jeune homme. Allez. Et il va apprendre. Et là, regardez l'agressivité de Jbam. Et il sait qu'il a fait faute, il annonce direct. Regardez ça. Voilà pourquoi c'est un ténor. Que c'est sa première faute qu'il pouvait se permettre. Oui, et ce n'est que sa première faute. Oula. Et ballon perdu. On commence à sentir de la frustration. La frustration commence à se faire sentir. On est à 3 cartons et Tour a déjà marqué 82 points. Il reste 2 minutes 39 seulement à jouer. Allez Madiba, plus d'agressivité défensivement. Ouais, il faut vraiment attraper, hein. Il faut être agressif dans l'attrape. Voilà. Exactement. Si elle sort, elle doit ressortir difficilement. Et je pense que Fabien Ateba est en train de battre un record de tir à 3 points ce soir à Bordeaux. 26 points déjà. Je crois que c'est quand Quentin qui avait battu le record de 12 tirs et il est en train de lui répondre. Oh. Marché sifflé. Il y a faute là, non? Non. Finalement, marché estime l'arbitre. Fabien Ateba porte bien son nom d'archer. Kevin Bichard, qui va servir Jbam. Oh, les mismatchs là. Dans la raquette, c'est pas payé. Et il faut servir Thomas Van Oussem. Allez, joue-le. Va chercher la fosse. Mais non, lui donne. Oh là là. Et lui, Thomas Van Oussem qui se retrouve confronté à la dureté de Jbam. C'est le métier qui rentre. C'est un mur en face de lui. C'est un mur. Mike Crayon Jr. Oh, on l'a entendu.
Et je pense que Thomas Van Hossem n'a pas fait exprès de faire faute, je pense. Il voulait contrer la balle et je pense qu'il n'a pas mis un coup exprès. On l'a vu qu'il a s'excuser. Et Joachim qui décide de faire sortir Thibault l'onzième. Et Émile Chassaigne. Émile Chassaigne, jeune joueur passé bordelais, dévié ça et passé par Pau. Espoir, c'est ça. C'est ça. En cas des France, c'est espoir. Voilà, il est revenu à Bordeaux pour ses études et il s'entraîne avec les JSA. Et quoi, justement, là, en cette période où il y a des blessés, il va avoir l'occasion de jouer. J'ai l'occasion de jouer avec Émile. Oui. J'ai l'occasion de jouer avec Émile aussi. Ouais. Oui. Bon. L'occasion de jouer avec Kevin aussi. Ah oui. Vous pouvez voir. Si on prend du temps, c'est parce qu'il faut nettoyer le ballon, respect du protocole sanitaire. Évidemment, comme vous le savez, on vit tous une situation assez compliquée, oui, c'est faut le dire. Et long et compliqué, effectivement. Je ne sais pas si c'est plus que long que compliqué ou plus compliqué que long. Je ne sais pas, mais... 85-57, c'est énorme quand même. Et c'est pas l'image qui nous a pas habité ces derniers. Oui, mais même dans les défaites, ils avaient eu un autre visage. On se rappelle du match face à Lorient ici, où ils ont été durs tout le match et pas parce que derrière ils manquaient de joueurs. C'était juste, ils étaient en manque de munitions, mais ils ont montré un autre visage. Ils ont fait douter Lorient. Là, à aucun moment. On a senti Tours embêté, Tours a déroulé son basket. Voilà. Ça prouve aussi que Tours est une équipe de haut tableau, de très haut niveau et qu'elle ne joue pas dans. Pour l'instant, dans la même cour que les Bordelais. Et peut lancer froid pour Macré Junior. Macré Junior, on le voit pas comme ça, il a dû scorer combien ? 8 points. 8 points, mais il est très efficace dans le plus-minus et dans l'éval. Complet, c'est grâce à lui. Si allez, j'ai pas de mat. Est-ce qu'on va pouvoir servir quand à un contre il faut de Jbam sur Jeffrey Dalma. Oui, et deuxième faute de Jbam. Et Jeff Dalma qui revient de blessure qui prend et qui subit ce soir. La soirée est très longue pour Jeff Dalma également. 87-57 ce soir. Allez les Bordelais, il faut pas abdiquer. Joue-le, Kevin. Il ne faut pas subir, Kevin. Il faut y aller. C'est maintenant qu'il va apprendre et qu'il va être dur. Je vous remercie ce soir. Vous êtes 449 au live à nous suivre ce match de National 1. De plus en plus nombreux. Et j'ai bam, les mismatch. La bonne lecture de Jbam pour Jérémy, pour Romain G, qui ressort sur le dernier Richard. Là, la rotation est pas mal. Là, voilà. Ouais, maintenant, ils ont laissé. Fabien a été bas ouvert. Ils ont laissé lâcher tout seul. Ils ont laissé celui qu'il ne fallait pas laisser. Allez, joue-le, petit. J'ai l'impression qu'on peut éteindre les lumières qui marqueraient pareil. Franchement, vraiment, c'est tellement fluide. Faut tenter des choses. Michard qui... Ouais, l'arche est encore ouvert à 3 points. Voilà. Ouh, et raté, c'est raté. Il est généreux. On se regarde, il n'y a pas de système d'annoncé. Ouais, mais c'est ce qu'il faut aussi des fois. Là, écoute-moi. Oh. Et fin de ce premier carton, voilà. 90-60, bon, on va être clair, hein, le d'un côté, on a un Fabien Seba très très adroit, comme on l'a dit en début de carton, en début de deuxième mi-temps, Tours s'est installé, mais les Bordelais n'ont pas montré le visage qu'il fallait, ils ont complètement subi, certes, on sait que Tours c'est une équipe de haut tableau, on sait ce qui
qui sont complets, qui ont des joueurs comme Fabien Théba qui score, Romain Huger, Jérémy Bichard. Voilà. Mais on aurait voulu voir notamment les jeunes qui ont fait un bon match la semaine dernière. On aurait voulu voir les jeunes avoir les crocs, oser des choses en attaque. Quitte à faire des fautes un peu, mais des fautes dures, des fautes pour montrer, montrer qu'ils sont là, qu'ils sont présents, et pas subir. Oblige, agacer pour. C'est quand on est une équipe, quand on est. Je vais m'étaler plus sur les jeunes joueurs. Quand on est un jeune joueur et qu'on sait qu'on va jouer, ben, il faut être agaçant. Il faut aller les embêter, aller les titiller, leur dire ben, hey, dans quelques années, moi j'arrive, fais attention. Et c'est parce que les jeunes ont un peu subi, ils ont été un peu timides, ils se sont là à l'image là de Kevin Baitoubam qui se fait agresser par mais qui décide de même pas le driver, de l'obliger à faire des fautes. Voilà, 90-60. Et à côté de ça, on a un Fabien Théba de feu, très 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 adroit. Voilà, je vous le disais, hein, c'est pas pour rien qu'on le surnomme l'archer. Très 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 seul, c'est ça que je ne comprends pas. Un shooter pareil, vraiment, faut le coller, faut l'obliger à driver, faut l'obliger et à jouer. Et les Bordelais qui viennent avec une jeune garde, il n'y a que Jeff Dalma seulement qui a plus de 21 ans. Mismatch, Thomas Mouloud. Et la ligne de fond pour le jeune. Alors du côté de Tours, les deux jeunes qui viennent de rentrer, on a le numéro 17, Ndiaye. Et le 3 points. Alors, Ousmane Ndiaye. À l'intérieur, le jeune Christophe Larouturou. Romain Anger est accompagné de Jérémy Bichard et Thomas Smallwood pour l'expérience. Thomas Smallwood, poste 4, capable de shooter. Et Ousmane Ndiaye, qui fait parler sa longueur, qui va au rebond. Un Romain Anger qui va trouver Ndiaye ouvert à 3 points, c'est bon. Et la pluie continue du côté de Tours. Et vous pouvez voir les vétérans de Tours, les joueurs expérimentés de Tours qui célèbrent leur jeune Ndiaye qui. Sur le banc. Sans en feu ce soir, ils sont en feu. Et tir de Thomas Van Ossem. Jérémy Bichard qui va faire parler sa vitesse. Et la bonne défense de Willan là. Ouais, Jérémy Bichard, c'est très fort. Mais c'est ça qu'on aurait voulu voir, qu'il prenne tout le temps ces tirs-là. Voilà, est-ce qu'il peut marquer 10 fois ce tir-là? C'est ça qu'on veut. Exactement. Voir, les jeunes. On veut pas qu'il subisse, on veut qu'il titille. Jeff Dalma pour le pull-up à mi-distance. Et je pense que Jeff Dalma est resté aussi parce que comme il revient de blessure, il a besoin d'avoir du rythme. Et la bonne défense d'Emile Chassaigne. Voilà, l'agressivité d'Emile Chassaigne. Emile Chassaigne, c'est un peu un joueur à la Antoine Léonard, très agressif, très teigneux. Voilà, il est capable aussi de mettre des tirs. La retourée et rebond d'Emile Chassaigne. Allez, ça court. Ouais. Évidemment, Emile. Et c'est bien joué, ça, de la part d'Emile Chassaigne. Il met du rythme, il met vraiment. L'intensité, et oui. C'est un joueur qui a fait les beaux jours de Pau en KD France, capitaine de l'équipe. Et après, qui a fait partie du centre de formation. Ndiaye. Pour Thomas Mouloud. Et Thomas Smallwood. Oh, voilà. Et derrière la bonne main de. Et Thomas Smallwood comment dire. Emile Chassaigne se connaissent aussi de la globe bordelaise. Et faute offensive sifflée à Kevin Mbaye Toubam.
sur l'écran en mouvement. 97-67. Il y aura changement. Et Jeff Dalma va sortir. On a une équipe complète. On a une équipe espoir sur le terrain, Saphir. Oui. Pareil. Sorti tout le centre de formation. Florian Loborgne, pareil. Bordelais, passé aussi par, par les centres de formation. Lui, il a évolué en Dordogne, à Boulazac. Boulazac, effectivement. Allez, Willan. Oh là là, Willan qui perd le ballon tout seul. C'est pas grave, il faut défendre, il faut se rattraper. Allez, il faut montrer un autre visage sur ces 6 minutes. En expérience, ils vont prendre. C'est l'expérience qui rentre. Du côté de Tours, c'est Raf Temgwa qui met en place son équipe. Ouais. Thomas Van Oussem face à Thomas Mouloud. Ouais, bien, et le ballon. Très bien. Et bien joué ça de la part de Kevin. Il va finir fort près du cercle. C'est ce qu'il fait. C'est ce qui était prévu. Et possession. Raf Temgwa qui met en place. C'est sa jeune garde. Sa jeune garde Tourangeau. Et 2 points de Thomas Smallwood. Il passe la barre des 100 points tour. Ouais. 169. La vérité, ce soir, il n'y avait rien pour les Bordelais. Hein. Il faut prendre le tir. Il faut prendre le tir. Il aurait dû le prendre avant. Hey, Kevin Ebaytoubam qui bat son record de points ce soir en 11 points. Kevin qui a décidé de prendre les choses en main. Ouais, oui. À la prendre l'initiative. Allez, il faut y aller, il faut aller jouer, il ne faut pas avoir peur. Ouais, c'est pas payé derrière. Ouais. Replier, il faut faire l'effort, Oh là là. Allez, les jeunes, il faut pas lâcher. Il reste 4 minutes 56. 103. Et tour à dérouler. Willan qui met en place son équipe. Voilà, ce soir, c'est l'apprentissage pour les Bordelais. Et lui, il prend les choses en main. Et oui, le jeune Émile Chassaigne. Lui, il n'a pas peur, il prend l'initiative, il est complètement libéré. Et il connaît aussi le haut niveau. Même si c'est en jeune, il connaît quand même. Il sait. Faut pas le regarder. Il a regardé. Thomas l'a retenu. Si tous les joueurs de Tours ont scoré ce soir à Bordeaux. Faire semblant d'eux. Il faut prendre le tir quand il sanctionne. Il faut montrer l'attitude qu'on est dangereux. Le speed move. Allez, ballon perdu. La bonne défense là de Tours. Et la faute de Florian Leborgne sur Romain Huguet. Entrée de Madiba Ohana. Et Madiba Ohana qui va rentrer. Et Thomas Van Oussem va sortir. Et là, c'est seulement la jeune garde bordelaise qui va finir le match sur les 3 dernières minutes. Voilà. Sur le score de 105 à 73. Et regardez la marque, tous les joueurs de Tours ont scoré. Et le petit tir à mi-distance de Madiba. Il les aime bien dans ces périmètres là, ces petits pull-up à mi-distance. Il les a bien travaillés. Après un dribble de dribble, il s'arrête net. Oui. Pour pouvoir monter. Gainer. Oui, dès que l'occasion se montre, allez, pour montrer un autre visage défensivement. Allez. La moyenne d'âge sur le terrain, Émile Chassaigne, qui a seulement. Et faute. Première faute d'équipe pour Tours. Ouais. Et regardez les attitudes d'Émile Chassaigne.
très agressif. Il est... Bon, même s'il rentre à un moment où le match est peut-être quasiment joué, donc ça c'est plus facile pour se libérer. Je suis surpris, effectivement, je pensais... Mais moi, je pense que s'il était rentré plus tôt, peut-être qu'il aurait apporté plus. Ah oui, ah, je peux vous le garantir. Allez, il faut prendre le tir. Le Borgne. C'est bien joué. Et Seydou Ndiaye. Il faut prendre le tir, il ne faut pas refuser. Madiba à 3 points. Et rebond d'Emile Chassaigne. Oh là là, dommage. Et voilà. Les deux dernières minutes pour les jeunes. Ça fait plaisir quand même. Oui. Remercier le centre de formation des JT. Ah ça oui, c'est clair. Il faut en parler, on n'en parle pas assez. Ouais, dommage. Emile Chassaigne qui a sorti une petite passe là. Ah oui, forcément derrière, il défend sur un joueur qui le rend 10 cm. Et c'est compliqué pour lui. Et il y aura tant à demander par coach Joachim pour travailler, pour obliger ces jeunes à travailler un peu, je pense. On rappelle, si vous êtes toujours resté avec nous, le concours VVF. Et oui, le challenge Village Vacances Français. On rappelle, lorsque vous regardez le match, si vous trouvez le concours VVF, vous prenez une capture d'écran ou une photo de l'écran avec le match. Vous partagez en story Instagram, vous identifiez évidemment les comptes VVF et JSABMB. Et à la fin du match, lors des interviews, il y aura un tirage au sort par l'un des joueurs interviewés. Et profession. Et Willan qui décide. Voilà. Il ne faut pas refuser les tirs. Et Willan Erabetian, pareil, qui lui aussi se bat son record de points en national 1 à 17 ans. Allez, agressivité. Allez. Voilà, très bien. Allez, ballon pour la gagner dans la rotation, ça. Encore une rotation. Et le ballon est récupéré pour les Bordelais. En tout cas, oui, tu le disais, Saphir, toi d'ailleurs, qui entraîne au JSA, ça fait plaisir de voir la jeune garde, de voir des jeunes que tu as vus dans leurs années à l'école de basket ou en Benjamin. Voilà, et c'est une satisfaction quand même de les voir. On sait que le score est compliqué, voilà, on sait que Joachim Duté a vu le score pour une équipe de haut de tableau. Il y a d'autres échéances. Et donc, clairement, ça fait plaisir de les voir s'exprimer. Bon, on aimerait les voir un peu plus mordants, mais voilà, ils ont 16 ans, ça va rentrer. Et Flo Le Borgne. Et Emile Chassaigne qui est toujours là, un peu à l'image d'un Thibaut Lozem, qui se bat sur tous les ballons. Ah, c'est sa signature, Emile. Hein. Ça, c'est sa signature. T'as pu le savoir aussi en jouant avec lui que c'est quelqu'un de vraiment teigneux. Très talentueux aussi, selon moi. Allez, il ne faut pas subir, Kevin. C'est de ça qu'on parlait. Très bien, bonne défense.
On est un peu dans un garbage time, un peu, depuis 3-4 minutes, comme en NBA, quand on laisse jouer les joueurs du Development League, on va progresser. Et Willan Arabetchi, on va prendre la dernière possession. Par contre, ce qui m'intéresse dans les attitudes, c'est Willan balle en main. Ouais, dommage. Il avait décidé de prendre le tir pour lui. Ouais, le dunk de Thomas Smallwood pour terminer la rencontre. Smallwood. Et fin de cette rencontre sur le score de 112 à 78. Voilà, les Bordelais. Lourde défaite de la part des Bordelais. Tour n'a pas laissé une seule chance à Bordeaux de s'exprimer. On sait que ça a été très difficile, notamment défensivement. Notamment, on va revenir sur la rencontre quand même, notamment sur les rotations. Tour était préparé, ils ont été en place. Ils n'avaient même pas Ahmed Doumbia. Voilà, on sait que Tour joue dans une autre cour, on l'a dit. Voilà, les Bordelais ont d'autres échéances. Maintenant, il faudra retenir quand même que l'absence d'Alex Vialare ou même d'Antoine Léonard se fait de plus en plus sentir. On espère les retrouver quelques instants très vite. Et on en profite pour remercier le centre de formation qui ont pu jouer, qui ont pu s'exprimer face à l'Armada de Tours dans une rencontre difficile, mais. Ça fait toujours du bien de se dire, ben voilà, de lâcher un peu les chevaux, de regarder les jeunes s'exprimer et d'apprendre. D'ailleurs, une équipe de Tours de très très haut niveau, on l'a vu, regardez le score. Tout le monde a marqué. Fabien Etéba de très très haut niveau, très très adroit. L'UTBM, une équipe, une armada avec de très forts joueurs, avec des joueurs qui ont le niveau de la Pro B. Pour toutes les informations sur les matchs, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter via JS à Bordeaux Métropole. On va revenir un peu. On va parler des autres matchs. Et oui, les résultats des autres matchs. Nous avons en National 1, nous avons Toulouse contre La Rochelle, donc Toulouse qui a gagné 73 à 68. Oui, c'est ça, dans notre derby de l'Atlantique. Ouais. Lorient Tarbes qui a été reporté. On n'a pas encore les résultats de Chalon-Vent, ni de Vitry-Reuil. Et Sable Dax. Dax, on va revenir là-dessus. De toute façon, vous aurez le débrief sur Pro M Media de ces rencontres. Voilà. On va communiquer quand même sur les infos des autres sports. Les Girondins de Bordeaux que vous pourrez trouver dimanche demain à 15h. Les Girondines, elles, qui ont perdu contre le Paris FC à 3-2. L'UBB n'a pas joué ce week-end. On va les retrouver le week-end du 26-27 mars. Les boxeurs, eux, on les retrouvera le 20 mars à 18h30. Et les Birdies. On les retrouvera à Vitrolles le 20 mars au Palais des Sports à 19h. On va revenir sur les scores un peu de cette poule de National 1. Contre Reuil, Vitré a gagné à domicile 83 à 69. Nous avons les Sables contre Dax. Les Sables ont gagné 66-59 à domicile. À domicile, oui. Et Chalon-Vanves. Alors, je crois on n'a pas encore le score de la rencontre. Ouais. En tout cas, non, voilà, voici les scores de cette poule A de National 1. Maintenant, on attend les échéances. On va revenir un petit peu sur la suite. Surtout, on va parler de la suite de Bordeaux. Voilà, on sait que dans quelques heures, ils vont devoir jouer. Ils vont devoir aller à Vitré. Ils vont enchaîner beaucoup de matchs. Il y a des retours à venir. On a vu Willis Mackie en tenue. Donc c'est de bon augure, c'est bon signe. Les jeunes aujourd'hui ont été dans le dur. Antoine Léonard n'était pas là, il est malade. Il reviendra très vite. Et Alex Vialare, normalement, devrait avoir une réponse dans quelques semaines. On va faire le point aussi sur les stats. De manière générale, les stats sur la rencontre entre
quand même les stats à 3 points. Alors nous avons Quentin Hank à 16 points, 3 passes décisives, 17 déballes. Nous avons Thibault Lonzième, donc 14 points, 6 rebonds à 18 déballes. Et Jeffrey Dalmat à 15 points, 4 passes décisives et 16 déballes. Dans cette rencontre qui opposait les Bordelais, on a vu, on l'a dit, hein, Fabien Théba très adroit. On va regarder, on prend les stats là, on regarde en direct. Le pourcentage quand même, je pense que c'est quoi, 7, 8 tirs à 3 points Au moins. Alors, Fabien Théba, on ouvre le box score. Fabien Théba en 25 minutes, 29 points. À 10 sur 15 au tir, 3 sur 4 à 2 points et 7 sur 11 à 3 points. 63% à 3 points. Ça, c'est des stats qu'on voit en Euroleague ou en NBA ou en Pro ou en Deep Elite. Exactement. On sait tous que la condition à l'extérieur est plus la même, certes, mais voilà, les GSA s'étaient installés quand même à domicile. Rendait le chemin difficile. Et là, ce soir, tour à dérouler. On a vu des joueurs comme Marius Chambre ne jouer que 8 minutes parce qu'il y avait de la rotation et parce qu'il n'avait pas besoin de jouer plus. Pareil, Raf Temgwa qui a joué 30 minutes à la fin pour accompagner les jeunes, mais il a déroulé. En face, on a quand même Romain Huger à 18 points, Alexis D'Argentan à 15, Ateba à 29, et voilà, suivi de Bichard à 9, Smallwood à 8, Raf Temgwa à 8 points. Ils n'avaient même pas besoin de scorer ce soir. On va se retrouver dans quelques instants pour l'interview avec Jeffrey Dalmat. On va rediscuter avec lui, pas forcément de la rencontre, mais surtout de la suite, de son retour de blessure. On se retrouve quelques temps après une courte page de pub. Effectivement, je tiens à remercier tous nos sponsors qui sont derrière nous, qui nous soutiennent, toutes les personnes qui étaient nombreux encore ce soir pour nous soutenir et regarder ce live. Donc on se donne rendez-vous dans quelques instants, dans quelques minutes pour l'interview. Ouais. Et en attendant, on lance une petite page de pub. Voilà. Passez une bonne soirée. À tout à l'heure. Live Hotel. Nouveau lieu de vie bordelais, face à la plage du lac, à quelques arrêts de tram ou coups de pédale du centre-ville. Qu'est-ce que c'est réellement? Un hôtel? Un restaurant? Un bar? Ok, mais soyons plus précis. Live Hotel, c'est un établissement design et cocooning centré sur l'échange et le partage, proposant des événements destinés aux hôtes, mais aussi aux professionnels et habitants du quartier, le tout animé par une équipe chaleureuse, passionnée et bienveillante. Alors, prêt à vivre la live expérience? Bienvenue dans votre communauté. Enjoy. Cause I need
On se retrouve avec Jeffrey Dalma. Jeffrey Dalma qui a fait son retour ce soir, qui revenait d'une blessure. Salut Jeff et merci de nous accorder un petit moment, de nous accorder aux téléspectateurs un petit moment. On ne va pas forcément s'éterniser sur le match, mais on va reparler du moment de ta blessure. Je crois que tu t'es blessé après Toulouse, à Toulouse. À Toulouse, oui. Ouais, et du coup, là, c'est un sujet peut-être que les gens ne connaissent pas. Voilà, quel a été le cheminement? Comment tu t'es remis en forme? Comment ça s'est passé là, ces derniers temps? D'abord, petit tour chez le docteur pour aller voir les images. Ouais. On a vu que c'était pas très très grave, mais comme c'était sur une ancienne blessure, il fallait prendre un petit peu plus de temps pour revenir. Du coup, kinésithérapie et renforcement pendant 2 semaines, et ensuite retour sur les terrains où j'ai pu reprendre un petit peu de sensations avant le match. Ouais. Bon, les sensations là, elles ont été comment quand même? Bon, voilà, on connaît le score, tout le monde a vu le match, on connaît le résultat, on va pas parler forcément là-dessus, mais toi, comment tu t'es senti là ce soir? Comment t'étais? Ça va, j'ai eu le temps cette semaine de shooter un peu, de faire un petit peu de travail physique. Et du coup, à part un petit peu le cardio en première mi-temps, sinon ça a été. On le rappelle, t'es co-capitaine avec Alex de cette équipe. Il y a des jeunes là ces derniers temps qui ont pu s'exprimer et qui l'ont très bien fait à des moments un peu ce soir, mais voilà, c'est ça aussi quand on rencontre une équipe de tableau. Puis à un moment donné, on parle d'une sorte de mur. Comment tu vis cette relation avec les jeunes? Quels sont les conseils que tu leur prodigues? Comment ça se passe avec eux? Qu'est-ce que tu leur apportes toi, en tant que justement co-capitaine, en tant que joueur qui est là depuis longtemps de cette équipe? J'essaie de leur apporter mon expérience. Je suis passé par là aussi. Hein. J'étais jeune avec les pros. Je sais comment ça se passe. Il y a le jeu est encore un peu rapide. Je sais pas comment dire, mais quand tu joues avec les pros, le jeu il est encore un peu rapide. C'est pas comme quand tu t'entraînes avec les jeunes. Ouais. Et voilà, c'est ça qui leur manque. Ils ont toutes les qualités nécessaires. Il y a que ça qui leur manque pour vraiment pouvoir s'exprimer durablement en national. On va parler un peu de quelque chose hors basket pour les gens qui ne te connaissent pas. On sait que tu bosses sur un petit projet en tant que basketteur pro. Ça s'appelle ma boîte à chocolat. Ouais. Explique-nous un petit peu que pour les gens qui. On propose des cadeaux gourmands pour toutes les occasions, anniversaires, fêtes, Noël. Et voilà, ça, c'est un petit business que j'ai commencé il y a 2 ans. Et voilà, ça se passe bien. Ça me permet d'avoir une expérience dans l'entrepreneuriat. Et j'aime bien ça. Voilà. Okay. On va finir, on va quand même parler basket, on est venu pour ça. On va finir, voilà, il y a des échéances qui arrivent là, notamment en Bretagne, Vitré Vitré et Rennes. Et voilà, quelles vont être les choses qui vont vous permettre quand même. On sait que Rennes, je pense que c'est une équipe que vous pouvez accrocher. Même Vitré, on sait qu'il y a des retours. On espère revoir Alex. Là, ce soir, toi, tu es revenu ce soir. Willy s'était en tenue, donc c'est de bon augure pour la suite. Voilà, qu'est-ce qui va permettre d'aller chercher une victoire ou d'aller faire un coup sur ces 2 matchs? On est capable de tout. On est une équipe qui est capable de tout. Après, à l'extérieur, on n'a pas encore de victoire. Donc je pense que c'est ce qui nous manque, une première victoire pour libérer les têtes. On sait aussi que ça va être compliqué parce que c'est des très bonnes équipes, Vitré, Rennes, Reuil après. Va falloir tout donner. On fait le dos rond en attendant que les 2-3 blessés reviennent. Et après, on pourra donner notre maximum. On va finir cette interview. On a répété toute la soirée. Il y avait le challenge Village Vacances Français. C'est toi qui vas tirer au sort le nom du joueur. Donc on va te laisser mélanger dans la boîte.
Avec ta main innocente. Ma main innocente. Ophélie Hank. Voilà, donc c'est, oh, c'est ça. C'est la sœur de Quentin. Oh, peut-être. Ophélie Hank. Ophélie Hank. Qui a gagné, qui a été tiré au sort par Jeff. En tout cas, on rappelle, Jeff, ce soir finit à 15 points. Ça nous a fait plaisir de te revoir quand même, de te revoir relâché, même si bon, c'est pas le match qu'on espérait. Maintenant, comme tu disais, il faut faire le dos rond. Il y a d'autres échéances et bah, on espère que vous allez toujours donner le maximum de vous-même. Et bah, bon courage pour la suite et pour les projets. Okay, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée. Et nous, pendant ce temps, on va se retrouver après une courte page de pub. Live Hotel. Nouveau lieu de vie bordelais, face à la plage du lac, à quelques arrêts de tram ou coups de pédale du centre-ville. Qu'est-ce que c'est réellement ? Un hôtel ? Un restaurant ? Un bar ? Ok, mais soyons plus précis. Live Hotel, c'est un établissement design et cocooning centré sur l'échange et le partage, proposant des événements destinés aux hôtes, mais aussi aux professionnels et habitants du quartier, le tout animé par une équipe chaleureuse, passionnée et bienveillante. Alors, prêt à vivre la live expérience ? Bienvenue dans votre communauté. Enjoy. Oh,